Alors, encore une grosse soirée de hockey à TVA Sports. Antoine Roussel qui est avec nous pour en discuter. Bonsoir, Allô, Antoine. Bonsoir. Alors, donc, les Hurricanes qui jouent leur survie ce soir contre les Rangers. Oui, en effet, les Rangers mènent 3-1 dans la série, puis ils veulent profiter de l'occasion pour vraiment ne pas avoir retourné en Caroline, eux qui affronteront la Caroline devant leurs partisans. Donc, une belle occasion à saisir. Ils devront commencer le match à l'heure, parce que dans le dernier match, ils avaient accordé 2 buts rapides, et ça avait donné le ton au match. Donc, ça avait été un petit peu plus compliqué par la suite. Shesterkin qui avait laissé aller 2 buts. Et ça, ben, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Mais du côté de la Caroline, on est encore vivant. On veut se donner l'opportunité vraiment de revenir à la maison puis de forcer un match 6. Ouais. Il y a aussi les Stars en action ce soir contre l'Avalanche, peut-être avec l'aide de Jonathan Drouin. Peut-être, oui. Ouais. Ça serait en fait un premier match pour lui depuis 2016. Depuis 2020 et un premier match devant des partisans depuis 2016. Donc, on le sait à quel point c'est un joueur talentueux qui a eu une très belle saison avec le Colorado, qui sera capable probablement d'amener cette dose de profondeur et peut-être cette petite étincelle aussi qu'on n'a pas nécessairement vue depuis les 2 derniers matchs du côté de l'Avalanche. Donc, les Stars pourraient revenir chez eux avec une belle avance également et se donner l'opportunité vraiment de fermer les livres à domicile. Donc, personnellement, j'ai une petite faveur pour les Stars et en espérant que ça soit un bon match. On se demande pourquoi? Non, on ne le sait pas. Pourquoi non? Donc, dans la boule de cristal d'Antoine Roussel? J'ai l'impression que les Stars devraient gagner ce soir. Ouais. McKinnon, McCarr devraient aussi avoir une grosse performance parce que les Stars jouent tellement bien défensivement qu'on a limité la qualité de l'offensive de McCarr et de McKinnon. Et ça, quand on fait ça, c'est une recette pour avoir du succès. Ah ouais. Bon, alors on prend des notes. Merci beaucoup, Antoine. Ce soir, on surveille sur nos ondes. Donc, 19h, 21h30, 2 matchs importants. Merci, Antoine. Merci beaucoup. À la prochaine.